Les joailliers qui ont une collaboration avec les antiquaires depuis plus de 30 ans font dans cette biennale rayonner Paris et attirent des gens du monde entier. Il y a 3 ou 4 ans, il y avait un désamour, il y a une renaissance du mobilier français 18e. Il y a de façon évidente, et ça depuis assez longtemps, mais actuellement très fortement, une passion pour les objets asiatiques. Donc les choses changent. Écoutez, c'est une commode tout à fait exceptionnelle. Qui est estampillé de Jacques Dubois, qui était l'un des grands ébénistes de l'époque de Louis XV. Nous avions acheté cette commode. Elle avait été recouverte d'une couche de vernis qui l'avait rendue grise parce que le vernis avait changé. Et donc le bleu avec le jaune du vernis était devenu un petit peu gris, vert. Et dans nos ateliers, l'un de nos artisans a su retirer ce vernis sans altérer en aucun cas la couche picturale et donc ce bleu magique. Ah, moi je suis non seulement fier mais en même temps amoureux, c'est vrai, de ce meuble. Je pense qu'il y a une vraie raréfaction des objets de très très grande qualité sur le marché, ce qui est assez normal puisque les musées ont acquis beaucoup de pièces et des grandes collections. C'est ça, dépend ce qui vous plaît le plus, puisque si on a 3 minutes, on va vous demander quelles sont les plus belles pièces. Le crocodile ou alligator qui est ici fait 3 mètres de long. Il a été acquis par Claude Lalanne, qui est une femme sculpteur remarquable et qui est célèbre pour la manière dont elle utilise les animaux et les végétaux dans sa sculpture. It's a very rare piece by Francesco Guardi
for it is one of the very few in which water is only suggested, in contrast to the views we are used to see, where you see the Grand Canale in big and large.这个材料呢，是100年前呢，是被发现的。但是呢，这个石头呢，到现在为止呢，还是被认为是世界最完美、最大的Purple Sapphire。但是呢，这个Sapphire呢，在我手上的时候呢，已经有6年时间。因为我一看到这个宝石的时候呢，我看见它是紫色的，马上引起的我一种情感的冲动。因为这个颜色呢，它是从红色跟蓝色的加起来才会出现这个紫色。